Meurer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Audi France. On va parler avec vous au Mondial donc, de vos actualités, parce qu'il y en a plusieurs ici même. Alors, on a découvert effectivement le nouveau Q5. C'est important pour Audi, le Q5 ? Ah oui, c'est l'un de nos best-sellers au monde. La génération précédente s'est vendue à plus d'1 600 000 exemplaires. Donc c'est le renouvellement d'un produit phare chez nous, qui est à la fois excellent en termes d'image de marque, de progression des ventes. Donc c'est un lancement clé pour nous. Quand on change comme ça, on ne peut pas changer d'un coup. Donc il y a des évolutions, on sait, chez Audi, qui se font année après année. Il y a des choses qui restent et des choses qui évoluent. Qu'est-ce qui évolue le plus pour vous sur le nouveau Q5 ? Alors, c'est un tout nouveau Q5. Donc les lignes sont, rappellent la version précédente. Donc c'est toujours cette évolution vers un design plus dynamique, mais sans rupture avec les versions précédentes. En revanche, tout ce qui est technologie, motorisation, assistance de conduite, tout ça, c'est totalement neuf. Donc les motorisations sont neuves, elles sont plus puissantes, elles sont en gros 20% plus efficientes. Nous avons une baisse aussi du poids du véhicule de 90 kg. Nous avons des nouvelles fonctionnalités de la version Quattro avec un Quattro Ultra. Et toutes les aides à la conduite que nous avons introduites sur le Q7, on retrouve l'assistance prédictive de conduite, la conduite semi-automatique dans les bouchons, nous retrouvons le Virtual Cockpit. Donc nous avons tout un arsenal technologique de ce qui se fait de mieux actuellement. Pour vous, justement, comment se présente l'année 2016 ? Pour l'instant, elle se déroule bien pour Audi ? Oui, elle se présente bien. Au niveau monde, nous sommes à 5% de croissance environ. En Europe, c'est 7,5% de croissance. Et en France, nous sommes actuellement à 10% de croissance. Donc l'année se présente bien. C'est à la fois sous l'impact de nouveautés et aussi de la grande confiance et la grande affection pour la marque Audi en France. Sur les stands des différents constructeurs automobiles, on voit de plus en plus de voitures hybrides dans le sens de coupé SUV mélangé avec du 4x4. On a un peu des nouvelles formes en quelque sorte de véhicules. Comment vous abordez ce sujet-là ? On voit que la gamme s'élargit. Il y a chez vous des coupés, mais comment vous voyez ces sujets de, on va dire, nouvelles voitures peut-être ? Alors, on arrive aussi régulièrement comme notre tout nouveau petit SUV, le Q2 sur ce type de marché. Après, évidemment, c'est toujours une question également de potentiel de vente. Donc, personnellement, je ne crois pas à une multiplication à l'infini de toutes les carrosseries, parce qu'il faut savoir gérer tout ça aussi ensuite, d'un point de vue système, d'un point de vue ressources humaines. Donc aujourd'hui, notre palette est, je crois, très bien adaptée aux besoins du marché actuel. Quelles sont les autres nouveautés que vous avez sur ce salon de Paris ? Alors on présente trois nouveautés, une version sportive, une RS3 sédan sportive, donc là on est vraiment dans Audi Sport, dans cette marque que nous développons, et nous présentons également également en avant-première mondiale notre nouvelle A5, c'est donc notre coupé à la fois en version coupé et ici en version 5 portes, le A5 Sportback, qui pour nous également est un élément très très important d'un point de vue design et plaisir de conduite. Alors j'avais eu l'occasion d'aller au siège d'Audi en Allemagne voir les projets futurs. On parlait bien sûr de véhicules électriques, véhicules hybrides, on les a déjà, mais aussi d'hydrogène et autres. Sur cette partie nouveaux produits, vous en êtes où et comment évolue votre gamme ? Alors, on continue de travailler sur ces différents projets. Nous avons présenté effectivement des concept cars full électriques qui sont en train de devenir des véhicules de série qui vont sortir dans quelques années. Donc nous continuons de travailler sur ces véhicules. Nous pensons chez Audi que plusieurs technologies vont coexister. On peut avoir du full électrique pour certains usages. On peut avoir de l'hybride, comme ici nous avons une A3 hybride. Nous avons le Q7 que nous avons introduit il y a quelques semaines. Donc nous croyons à la capacité des différents marchés, aux besoins de différents marchés d'avoir plusieurs technologies. On parle aussi bien sûr du véhicule connecté et du véhicule autonome. Il faut s'attendre à ce que ça arrive dans quelques années ou c'est encore un peu tôt? On avance assez vite. Alors quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, le tout nouveau Q5, il y a déjà beaucoup de parties d'un véhicule semi-autonome, c'est-à-dire que la voiture peut conduire toute seule dans les bouchons jusqu'à 65 km/h en se repérant avec les voitures qui sont autour d'elle. Il y a beaucoup de capteurs, de laser, etc. Nous avons là-bas un concept Robbie qui est capable de conduire tout seul. Donc aujourd'hui, c'est déjà une actualité. Et pour nous, ça fait partie, effectivement, la conduite autonome fait partie également des projets que nous avons. Ce qui est important aujourd'hui, c'est également toute la connectivité des voitures, l'A4, le Q5, etc., ont aujourd'hui des cartes SIM intégrées et remontent en permanence des informations anonymes, évidemment, sur l'état de conduite, l'état des routes, les panneaux de signalisation, s'il y a un danger, voire en 2017 sur des places de parking libres. Donc tout ça remonte dans un cloud et ensuite sera redispatché vers ceux qui sont connectés à notre cloud. Audi, dans les prochains mois, il y a encore
des produits à venir, il y a toujours des créations de produits sur la gamme Audi. Oui, on a toujours de beaux projets à venir. En gros, entre l'année dernière et dans 2 ans, on aura renouvelé l'ensemble de notre gamme. Donc nous avons d'autres projets très sympathiques à venir. Mais il y a effectivement cette continuité sur la ligne, notamment sur le design. Il y a aujourd'hui une image Audi. Oui, je crois que c'est ce qui fait la force d'Audi, c'est on reconnaît d'assez loin une Audi, à la fois par sa calandre, par son design, par la qualité de finition, par les arêtes extrêmement précises. Donc c'est vraiment une identité que nous avons, que nous souhaitons garder, parce que c'est ce qui fait aussi la qualité de nos produits en termes de valeur de revente. Donc c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, oui. Alors on sait aussi que la nouvelle génération de propriétaires, elle est peut-être moins attachée au véhicule, hein, fût-il beau pour eux, ils sont peut-être plus dans la mobilité, dans la location aussi. Comment vous abordez cette nouvelle génération peut-être d'acheteurs de voitures et qui vont devenir des locataires peut-être? Oui, alors on peut être locataire et faire attention à son bien, hein. Donc ça aujourd'hui c'est pas pour moi quelque chose qui est en opposition. On voit aujourd'hui 80% de nos ventes se font déjà avec une location avec option d'achat, où quelque part les personnes sont déjà en location. Et ensuite sur toutes ces différentes formules, on développe des formules comme par exemple Audi Select, où on peut avoir la location de 3 véhicules sur une année pour un même propriétaire. Nous avons des locations Audi en demande. Donc là aussi, quelque part, quand on vient chez Audi, quand on veut louer une Audi, c'est qu'on aime l'automobile, c'est qu'on a envie de se faire plaisir, donc on voit tout ça fait ça cohérent, toutes ces différentes formes, toujours avec le Audi Touch quelque part dans cette approche. Merci Marc Muria. Merci beaucoup.